Des candidats, non pas en marche, mais sur les marches de la préfecture. Cette image résume à elle seule ce second tour des législatives dans le Rhône. Le mouvement d'Emmanuel Macron est passé à deux doigts de réussir son grand chelem. 12 des 14 candidats en lice l'ont emporté hier soir. C'est le cas de Thomas Rudigoz dans la première circonscription, Hubert-Julien Laferrière dans la deuxième, Jean-Louis Touraine dans la troisième, Anne Bruniera dans la quatrième circonscription, Blandine Brocard dans la cinquième, Bruno Bonnel dans la sixième, Anissa Kéder dans la septième, Thomas Gassiou dans la dixième circonscription, Jean-Luc Fugit dans la onzième, Cyril Isaac-Sibille dans la douzième, Daniel Kazarian dans la treizième et Yves Blin dans la quatorzième circonscription. Seuls deux candidats, les Républicains, ont donc résisté à cette vague macroniste. Les députés sortants de la huitième et neuvième circonscription, Patrice Verchère et Bernard Perru. L'autre info de la soirée, c'est l'abstention record dans le Rhône. Elle a atteint 57,7%. C'est 14 points de plus qu'il y a 5 ans.